Et puis elle fait aussi partie du voyage à Poitiers. Ça lui fera tiens, un échauffement pour une future tournée d'un nouveau spectacle qui arrive tout doucement. Oui, je retourne mon regard vers Constance. Et si les enfants n'étaient pas si dangereux, pourquoi donc y aurait-il des panneaux sur lesquels on pourrait lire « Attention aux enfants aux alentours des écoles » Merci, bisous, merci. Oh là là, oh putain. Ah non, je me suis trompée, j'ai commencé ma chronique par la fin. Oh là là, du coup j'ai niqué ma chute. Oh, je suis tellement déçue. Oh, je suis encore plus déçue que le jour où j'ai appris que pédalo, c'était pas une insulte homophobe en espagnol. Oh. En plus, j'avais écrit des trucs super rigolos, comme c'était la journée mondiale des malades. Je voulais parler comme si j'avais le nez bouché pour faire des blagues comme « Bonjour les amis, je suis très embêtée, car aujourd'hui c'est la journée mondiale des balades. Non, pas des balades en forêt, des balades avec des microbes. Stop! Ceci est un détournement! Je viens sauver cette chroniquette brun! Excusez-moi, mais vous êtes qui? Je suis la maladie! Eh oui, la vraie en glaire et en os! Et pardon, mais pourquoi vous parlez comme ça? Parce que les accents bruns, c'est aussi une maladie, hein? Allez, écarte-toi du micro, maintenant c'est moi que je chronique. Oh, alors là déjà, c'est ma chronique. Et en plus, à ta place, je la bouclerai, la maladie. Parce que c'est un secret pour personne, tout le monde te déteste. T'es une grippe en plein été, un diabète carrément bête qui embête, une gastro foudroyante pendant un cuni. Tout le monde voudrait que tu disparaisses. Ah ouais? Tout le monde, il voudrait que je disparaisse? Bah, je crois pas vraiment, hein. Comment qu'ils feraient les fleuristes pour gagner leur vie sans vendre des bouquets avec écrit bon rétablissement? Stop! Personne ne bouge! Je détourne cette chronique! Et vous êtes qui, vous, maintenant? Je suis la guerre! Et pourquoi vous parlez comme ça? Pour créer une ambiance dramatique! Bon, désolé, vous êtes hors sujet, la guerre. Vous viendrez me détourner pour la journée mondiale de la paix, si vous voulez le bien. Aujourd'hui, c'est la maladie. Déjà, j'ai du mal avec l'autre taré, là. Oh, j'entends, hein, quand tu parles, hein. Justement, chaque guerre entraîne son lot de maladies. Choléra, rutabaga, topinambour. Eh ben, jour, ceci est un détournement. Ah non, mais là, moi, j'en peux plus, hein. C'est quoi ce passage? C'est une chronique ou le cul d'une pute? Non mais attendez, laissez-moi deviner, vous avec l'accent du sud, vous êtes quoi? Vous êtes le réchauffement climatique? Oh putain, oui, oh, peu cher, je viens m'associer à la guerre, à la maladie. On va faire un malheur, on sera un trio meilleur que les toubitries. Vous sortez tous de ma chronique immédiatement. Attention, c'est un détournement. Non mais vous arrêtez, il n'y a plus de place dans cette chronique, c'est saturé. Les gens ne comprennent plus rien. Moi non plus, je ne sais plus du tout où j'en suis. La chronique avait déjà commencé par la fin et maintenant elle est sans fin. Oh, moi je vois bien la fin, c'est celle, la fin de l'humanité. Au fait, je suis la fin du monde. C'était Constance. Et manifestement, elle souhaite encore plusieurs dans sa tête pour notre plus grand plaisir.